Guy 3. Salut les amis, c'est Missionneur, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Drive Club et un nouveau DLC puisque nous avons terminé le DLC Evolution lors du dernier épisode et donc je vous ai laissé justement choisir les nouveaux, enfin le nouveau DLC et donc les votes se sont portés, c'était il y a eu 5 votes, je crois. Tous différents, sauf un. Donc, pas tous. Donc, le DLC qui a remporté le vote, c'est Pace Setter. Voilà. Donc, on va faire Pace Setter aujourd'hui. Et vous pouvez remarquer que les deux nouveaux DLC sont disponibles. Donc, ils pourront rentrer dans votre choix lors de la fin du DLC Pace Setter. J'irai donc les télécharger puisque j'ai le Season Pass, donc ils sont gratuits pour moi. Ça va pas me prendre beaucoup de temps. Voilà, donc on va commencer Pace Setter tout de suite. On va regarder à peu près les affiches de ce DLC. Il y a beaucoup de citadines, je trouve. Ce que j'en vois ici, j'en vois ici. J'en vois encore ici. On va voir, il y a quand même de belles voitures en affiche, donc je retiens juste celle-ci, voilà, la Ferrari. La Ferrari, ça je sais pas trop ce que c'est comme caisse, ça va être un concept car à mon avis. On a des BMW, on a le Pacific Rift, on a le Manzanti TT, Marussia, enfin j'ai plus envie de dire Marussia, Dumbbuster, enfin voilà. Comme d'habitude, le même profil hein, de DLC de toute façon. On va commencer par le premier et partir donc avec la Mini Austin. Allez, on commence l'épreuve sous la pluie. Tiens, ça faisait longtemps. Et donc avec la Mini Austin, c'est parti. On est en contre-la-montre, hein, bien sûr, comme on a l'habitude. Maintenant, avec tous les débuts de DLC, toujours le même panel. Ok, donc on va déjà essayer de se mettre la voiture en main, bien sûr. La voiture a pas l'air de trop glisser, donc je vais peut-être pouvoir essayer de passer un petit peu plus rapidement sur les virages. Alors, un truc bizarre, c'est que j'ai le son de la pluie très fort. Mais que je n'entends pas beaucoup. La voiture. J'étais très loin à faire ma phrase quand même. Je suis concentré dès le départ. Oh là là. Le noir total quand on rentre dans le tunnel et le virage. Et c'est chaud parce que le premier objectif s'envole. Donc c'est sûrement le deuxième un petit peu aussi. Mais je vois pas super bien la route en fait avec la pluie et on est rendu. Allez, celui-ci c'est la bonne, j'ai réussi à battre le deuxième, j'aurais pu battre le premier, j'ai juste fait une petite erreur lors de l'avant-dernier virage qui m'a coûté très cher. Et là je viens taper le mur, c'est pas bon ça. Pas bon. Allez, ça passe à la décélération. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre. De bonnes trajectoires pour ne pas freiner en fait. C'est ça qu'il faut trouver. Voilà, ça c'est bien, ça c'est bien. C'est bien, c'est comme ça qu'il faut conduire. C'est comme ça qu'il faut conduire. On enchaîne avec le virage à droite. Ouais, nickel.
On est ex aequo avec l'objectif. Vraiment, on va faire d'erreur comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, ça passe mieux. On est un poil en avance. On est un petit poil en avance. Et ça, c'est la ligne d'arrivée. Donc, on est bien. On va réussir donc nos trois objectifs. Et c'est cool. Voilà. Allez, on passe à la suivante. Allez, j'ai pas fait gaffe aux objectifs. On va regarder ça tout de suite. Top 2, challenge virage. Et 4 minutes 10. On a 5 tours à faire. Ok, très bien. On va essayer de remplir ces objectifs tranquillement. On va déjà jauger la voiture parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc du coup, je sais pas trop. Oh là là, comment je viens de couper le virage. C'était très moche. Mais la voiture n'accroche pas le bitume. Au secours. Au secours. Bonjour. Donnez-moi des pneus, s'il vous plaît. Allez, change virage juste ici. Très bien, j'ai un virage rempli. Ouais, la voiture décroche très vite. Faut vraiment faire attention. C'est vraiment très dommageable, c'est sur les premiers virages voilà, qui sont en virage rouge. C'est là où on aurait le plus besoin de grip justement. Comme on a l'habitude, je vais partir en drift hein, bien sûr. Ah, cette portion là est très compliquée pour moi. Alors qu'on a Anna Smith et qui est la sœur de Anna Montana bien sûr comme vous l'avez reconnu. Je crois que j'ai déjà fait en plus cette blague dans des épisodes précédents mais au tout début du jeu. J'en ai encore honte d'ailleurs. Par contre, c'est pas mal que je chope des places un petit peu parce que là on va entamer le troisième tour. Si je dois finir dans le top 2 les amis. Enfin que je commence à songer à doubler les gens. Allez on est cinquième, on doit rentrer dans le top 2. Voilà, quatrième et avant-dernier tour. On est troisième alors que lui n'est pas content et il nous pousse pour nous faire sortir de la route. C'est pas très fair play monsieur. Ah bah de la pluie tiens. Ça fait longtemps. Putain mais ils ont rajouté la pluie sur Drive Club. Oulala, quelle nouveauté les amis. Attention, nouvelles features sur Drive Club, la pluie. Allez, il nous reste encore une voiture à doubler lors de ce dernier tour. Va-t-on réussir à le faire? Rien n'est moins sûr. Puisque je n'arrive pas à les rattraper déjà. Alors, il me semblait que c'était deux séries 1 devant, mais non, en fait, c'est une série 2 qui est devant. Une série 1 juste derrière. Allez, il faut que je double. Je double cette voiture. Il faut que je la double. C'est obligatoire. C'est très moche. Mais ça me fait rentrer dans l'objectif. Par contre, les 4-10... Va-t-on les faire? Oui. Tranquille. Impeccable. On a rempli nos objectifs. Hein. C'est ce qu'on nous demandait. Voilà. Le tout n'est pas de finir premier. On l'a bien vu. Là, on nous demandait de faire top 2. On est deuxième. Ça passe. Ok. L'aileron qui sort tout de suite comme ça. Un circuit que l'on connaît. Hein, l'Inde. Avec l'un de mes
pays préféré. Ok, la voiture freine plutôt pas mal. Ok, donc là on est sur un contrôle à montre, on n'a aucun aucun tour à faire, enfin aucun nombre de tours prédéfinis. On doit le réussir. Et puis c'est tout. Ok, donc c'est la version longue du circuit. Pas la version courte. Enfin, une version longue, c'est un grand mot, c'est la version rapide, on va dire, du circuit, avec le moins de virages possible. Allez, on a loupé l'objectif pour, voilà, j'ai fait 46-146 au lieu de faire 46, quoi. Voilà, j'avais les boules un petit peu, mais c'est pas grave, on va le réussir, pas de soucis là-dessus. Juste gratter les quelques millièmes qui nous manquent. Ah, pas en faisant ça déjà. Même si j'ai pas perdu trop de temps. Le seul problème, c'est que je suis derrière mon fantôme, donc du coup. Voilà, déjà on est plus rapide, là on va le réussir. Là on réussit, c'est pas possible qu'il nous double maintenant. Voilà. 45-750, c'est magnifique. Allez les amis, nous sommes en Écosse avec cette Clio RS de chez Renault Sport. Trois objectifs, première place, challenge, virage, 1 minute 44 au tour. On a 4 tours pour les réaliser, sous la pluie bien sûr. Troisième circuit sur 4 de cet épisode, sous la pluie. Magnifique ratio de chez Drive Club, bonjour. Allez, le chain du virage est juste ici. Voilà, ça c'est fait. Change effectué. Maintenant, on va chercher la première place et les 1.44 autour. On va du moins essayer. Sur tout le monde, puisque de toute façon eux se gênent pas pour le faire. Oh. Trop de cordes tue la corde, comme j'ai l'habitude de le dire. Faut vraiment que je gomme ce petit défaut de trop aller chercher cette corde, puisque j'ai beaucoup de mal à le faire. Et qu'à chaque fois, je prends des risques pour rien. Bon, du coup, on se retrouve troisième avec ces conneries. Voilà, j'ai pas freiné, magnifique, donc ça va. Le temps autour va être très compliqué. Je pense que c'est vraiment un ric-rac sur une 44. Ça va être vraiment le tour parfait. En plus, la nuit est en train de tomber, magnifique. On se souvient des transitions jour-nuit sur Drive Club, c'est vraiment épique. Surtout pour moi, je ne vois absolument rien. Et là, on n'a aucun éclairage. Aucune signalisation de virage. Sous la nuit complète et sous la pluie. Ça va être folklorique, moi je vous le dis. Surtout quand on doit réaliser le tour parfait. Ah, pas mal ça, c'est pas mal quand même sans voir le virage. Ça c'est moins bien par contre, putain, sérieusement, qu'est-ce que je suis con. Et allez, la même erreur que tout à l'heure, magnifique. Alors qu'on avait fait un super bon début de circuit. Oh, qu'est-ce que je m'agace. Oh, putain. Je les enchaîne, là. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On a compris sur ce tour-là. On a compris. Maintenant, laissez-moi finir. Voilà, on voit plus rien. Franchement, je vois plus rien. Je vois, voilà, ce qu'il y a devant moi. Je vois 10 mètres devant moi, c'est tout. Je vois pratiquement plus la voiture.
Apparemment, la pluie a cessé, mais bon. Non, la pluie n'a pas cessé, elle a juste réduit. Elle est toujours présente. Oh là là là, je vous jure. On va entamer le troisième tour. On va entamer le troisième tour. Il faut vraiment que je réussisse à faire ce timer. Et que bah, maintenant je réussisse aussi à doubler les deux voitures qui sont devant moi. Et qui se sont un tout petit peu échappées. Grâce à mes erreurs. Oh mais t'es sérieux, accroche le pavé quoi, je sais pas, fais quelque chose. Fais quelque chose avec les pneus voiture. Puis encore une fois, je roule sur la terre quoi, mais faut vraiment que j'arrête avec ces cordes. Ah je m'agace, hein, je rage contre moi en fait, hein, c'est ça, hein, c'est que c'est entièrement de ma faute. Hein, c'est... Les trucs, ok d'accord, les trucs c'est un petit peu le jeu qui fautif, mais il y a beaucoup de choses, c'est vraiment mes erreurs personnelles. Non, t'es sérieux, me colle pas une pénalité de virage ici quoi. Oh, OMG, est-ce que je vais réussir les 1.44? Parce que là je pense que c'est cuit aussi. Et là, je suis derrière, pourquoi tu prends pas l'aspiration? Voilà, quand même. Bah non, viens pas me taper toi par contre, ça va pas le faire sinon. Surtout que quand ils viennent taper, généralement ils visent bien l'aile arrière pour bien te faire partir en tête à queue. Oh, on a réussi les 1.44 avec 1.42.9. Magnifique, on a juste à se concentrer sur le dernier tour pour la première place. Ça va être sympathique, on va essayer de ne pas faire d'erreur. De le contenir au maximum, histoire que l'on puisse être premier sur la ligne d'arrivée. Mauvaise trajectoire dans le virage, et tout de suite on est sur l'extérieur et voilà, moi je fais un petit peu de sortie de piste. L'autre derrière, il revient comme une balle. On va essayer de le tasser, voilà. Et vous avez vu, enfin hein, regardez bien, mais mettez ma retour si vous voulez. Mais les voitures des IA, quand elles viennent taper, tapent bien l'aile arrière de la voiture. Je cherche vraiment, vraiment à me faire sortir en tête à queue. Je trouve ça un petit peu dégueulasse. Si franchement c'est crypté comme ça, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Trop large, trop large et freinage très tardif. Enfin, pas freinage très tardif, mais je suis arrivé trop vite dans le virage. Enfin bon, voilà, on arrive à la fin de ce tour. On a un petit peu d'avance sur nos poursuivants maintenant, ça c'est cool. On est un petit peu plus relaxé pour la fin de ce circuit. Que je redoutais un peu, puisque voilà, la transition jour-nuit, généralement, moi ça me fait défaut. Là, ça s'est vu hein, sur le deuxième tour, j'ai fait n'importe quoi. Mais après, je me suis habitué et voilà, on finit avec les objectifs remplis. Magnifique. Alors on va se faire une dernière course je crois. Allez, 13 500 points pour réaliser le premier objectif. On n'a pas de pluie pour l'instant, c'est magnifique. On va voir déjà comment se comporte la voiture sur les drifts. Ok, il va falloir la pousser à mon avis pour partir. C'est léger quand même les drifts qu'elle nous sort. Hein. Ouais, c'est très léger les drifts. Ça joue peut-être aussi sur la vitesse, qui apparemment elle a l'air de prendre beaucoup de vitesse par contre. Ok, là on peut améliorer si on ne sort pas sur la route.
Ah, il faut la maîtriser apparemment. Comme toutes les voitures, j'ai envie de dire. Ok, bon, c'était un premier tour. 11 731 points, c'est pas si dégueulasse que ça. Allez, on y retourne. J'approche de l'objectif, je viens de faire 12 370. C'est faisable. Faut juste bien maîtriser les sorties. Et surtout les drifts longs aussi. C'est là où j'ai un petit peu pêché sur le tour précédent. C'est sur les drifts en deux parties. J'aurais pu gratter un petit peu plus. Ah, on est bien là, on est bien. Ah là, on est très 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 bien. On est très très bien. J'ai 1800 points d'avance sur mon tour précédent. Dommage, j'ai loupé la sortie. Mais là, on est pas mal. On est pas mal. On est déjà à 10 000 points. Il nous reste encore deux drifts à faire. Donc, autant dire qu'on les fait easy. Easy, easy. Normalement. Normalement, on les fait easy. Allez, verdict. 13 617 points. Voilà. Okay. Bon, et eh bien c'était la dernière épreuve de cet épisode. On est plutôt sympathiquement content. On va se retrouver sur l'écran de choix des épreuves pour regarder un petit peu ce qui nous attend. Donc déjà on commencera l'épisode précédent avec la course de Ferrari, ce qui va me mettre en joie bien sûr. Ensuite, on ira faire le Manzanti, ensuite l'Onyx Concept, très très bien, avec le premier petit championnat à faire. Et ensuite, voilà, Marussia, Dambuster, Twin Peaks et le P-Setter Trophy. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, commenter, partager comme d'habitude. Mes réseaux sociaux, dans la description, je vous informe de l'actualité de la chaîne, bien sûr. Surtout comme ce qui m'est arrivé dimanche soir, avec un petit souci de vidéo en fait sur Minecraft, c'est pour ça qu'hier il n'y a pas eu de Minecraft, et que vous avez eu droit à deux épisodes de Batman. Voilà. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. En tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux. Passez une bonne semaine ou un bon week-end, passez de bonnes vacances si vous l'êtes. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de Pace Setter sur Drive Club. D'ici là, au revoir.